Bonjour mes amis Capricorne. Alors voilà, nous sommes dans le tirage pour l'année 2021. Cela va être un tirage annuel. Et je voulais d'abord juste vous parler quelques secondes de ce magnifique livre de mon amie très très proche qui s'appelle Nathalie Viera qui a fait ce livre. Vous trouverez dans les descriptifs de mes vidéos comment acheter ce livre. Je vous mets également dans ce descriptif un contact pour également un ami et un grand thérapeute qui s'appelle Thierry Jeanne et qui se trouve à La Rochelle. Donc n'hésitez pas à consulter dans les descriptifs des vidéos comment contacter ces personnes auxquelles je souhaite, là, en ces débuts d'année 2021, vraiment mettre un gros focus dessus parce que ce sont vraiment des personnes formidables. Ce livre est également un livre formidable qui vous parle du tantra, du vu-tao et des bercements dans l'eau qui sont des pratiques de relaxation, des pratiques de connaissance de soi, des pratiques pour arriver à sa conscience et pour entamer ce grand chemin que de vivre tout et chaque instant de sa vie en conscience. Voilà, c'était ce petit moment. Je ne suis absolument pas rémunérée, donc c'est de la pub totalement gratuite puisque ce sont vraiment des amis et en même temps de très très grands thérapeutes tous les deux. Ok, allons-y mes amis Capricorne. Donc nous sommes dans cette année 2021. Voilà, et ce petit chat ici va m'aider à mettre en avant les différentes cartes que nous allons tirer. Nous allons d'abord tirer, et on va la mettre ici, comme ça, bien visible de tous, la carte de l'énergie de cette année, l'énergie globale qui vous anime cette année. Alors, donc l'énergie, décidément, donc l'énergie globale pour l'année 2021. Pour vous, mes amis Capricorne. Alors, je vais vraiment me concentrer. Pour vous, mes amis Capricorne. Alors, voilà, ça y est. Voilà, elle saute vraiment. Bon, bah écoutez, ça fait deux fois qu'elle sort. Donc, c'est vraiment celle-ci. C'est cette carte ici. Qui nous parle de l'envie, de la jalousie, d'une sensation en fait que les autres ont plus que vous. Voilà. Mais oui, on peut voir cette carte comme une énergie négative, mais on peut aussi voir cela comme un moteur. Et moi, j'ai vraiment envie de le voir comme ça, sur une énergie dominante sur toute l'année. Ça veut dire que cette envie que vous avez par rapport à ce que les autres réussissent, par rapport à ce que les autres ont, c'est plutôt une énergie en fait qui va vous galvaniser. Alors, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le fait de vous dire, bon, j'aimerais avoir ça, d'accord? Et au lieu de dire oui, mais l'autre il a ça parce que il le mérite pas, etc. Ou parce que il a hérité, ou parce qu'il a de la chance, etc. Non, en fait, ça va plutôt être un moteur pour vous. Ça va être un moteur pour justement aller chercher au fond de vous toutes les ressources pour que vous puissiez vous aussi avoir ce rêve, réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Donc c'est ça, cette énergie-là d'envie. Deuxième carte également dominante pour l'année, c'est les cartes d'abondance. Alors, ben voilà, elles sont sorties tout de suite. Et on nous dit qu'il faut que vous fassiez des économies. Donc, effectivement, en fait, cette carte-là de l'envie, en fait, ce qu'on veut vous dire, ben oui, d'accord, vous avez envie de faire plein de choses, eh bien, mettez de côté les biens financiers, les biens matériels, ne les dilapidez pas pendant cette année 2021, mais mettez-les de côté pour pouvoir justement réaliser ce que vous souhaitez faire dans votre rêve. Et l'autre carte, elle dit qu'il faut en fait, alors le mot en anglais c'est declutter, et vous voyez, ça veut dire comment vous dire,
Clôture, c'est un lieu clos, donc décloisonner. Voilà, c'est ça le mot, excusez-moi. C'est le mot que je cherchais. Il faut décloisonner. Il faut en fait décloisonner les différentes choses dans votre vie, les différentes actions de votre vie. Il faut bien comprendre qu'en fait, tous les champs dans votre vie sont les uns avec les autres, se cumulent, et vous devez appliquer les recettes que vous appliquez dans un cadre de votre vie à tous les plans de votre vie. Voyez, décloisonner et décloisonner votre esprit. Ouvrez-vous à plus de possibilités. Décloisonner, c'est-à-dire que arrêtez de dire, bon, là, ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, machin, etc. Non, ouvrez-vous à plus d'observations, à plus de c'est une façon aussi de décloisonner l'esprit, c'est aussi l'ouvrir, c'est autoriser les choses à varier, à changer, à s'interchanger, à se mobiliser. Voilà. Donc, c'est cette énergie en fait qu'on a vue de départ là, d'envie de vouloir des choses, et eh bien justement ça va vous permettre de décloisonner. Vous allez ouvrir tout ça, vous allez ouvrir tout votre être, tout votre tête, tout votre esprit, et vous allez commencer à vous dire, voilà, voilà ce que je souhaite, voilà réellement ce que je souhaite, voilà, je le vois en exemple chez les autres, je vois que c'est quelque chose qui me conviendrait, eh bien je vais mettre les choses en place pour commencer à les faire fonctionner. Et on voit qu'on nous dit économiser, ça veut dire commencer à planifier les choses et à mettre en face quels sont les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens de connaissances, de savoir que vous devez acquérir pour passer à cette phase suivante. Donc cette année va être une année où vous allez tout décloisonner, vous allez tout remettre bien aussi à plat, aussi un petit peu, voir construire ce que vous souhaitez, ok, et voir à faire en sorte cette année de ne pas éparpiller tout dans tous les sens, de ne pas dilapider vos énergies, vos compétences, ne pas dilapider en fait toute votre richesse, quoi, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, vous n'allez pas la dilapider. Vous allez plutôt la stocker, la conserver et la construire pour ce futur, cette future réussite que vous avez définie. C'est-à-dire que cette année, vous avez passé l'année à, en réalité, visualiser votre objectif avec toutes les étapes, d'accord? Et c'est ça qui va vous faire avancer cette année, d'accord? Donc ça, c'est le trait global. Maintenant, on va aller sur le mois de janvier. Alors, l'énergie spécifique, juste pour le mois de janvier, on y va. Alors, l'énergie vraiment spécifiquement mois de janvier, pour vous, mes amis Capricorne. Voilà. Alors, les hostilités. Donc, janvier, vous allez être dans une volonté, en fait, de vous battre. Alors, on voit, hein, vous êtes dans cette envie, dans cette jalousie. Donc en janvier, vous êtes encore un petit peu dans de la négativité, d'accord? Vous dites, oh là là, pourquoi j'arrive pas à avoir tout ce que je veux avoir, c'est pas juste. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, comment vous allez dans cette attitude un peu agressive que vous allez avoir sur ce mois de janvier, réussir quand même à, un, avoir de l'abondance dans tous les domaines, et deux, on verra ici comment vous allez réagir dans votre vie sentimentale. Donc sachez que vous êtes un peu surexcité là sur janvier, mes amis Capricorne, janvier 2021, un peu d'excitation, un peu d'envie d'en découdre. Voilà, c'est un peu ça votre mois de janvier. Alors allons-y, voilà, ça y est. Alors on nous dit faites le travail. Donc, on nous dit, il ne suffit pas de rêver, il faut se mettre concrètement au travail. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, cette année, alors, quand je dis il faut se mettre concrètement au travail, je vous ai dit au départ que vous allez être justement dans l'économie, etc. Donc, concrètement au travail, là, ça va être de poser les choses à plat, d'accord? Et de voir comment ce projet peut se mettre en place. Donc, arrêtez que ce soit juste un rêve, commencez à planifier. Commencez à mettre les choses bien comme il faut, au carré, sur des papiers, des plans. Voilà. Donc, ce mois de janvier qui va être un peu dans l'hostilité, un peu dans
dans le conflit, un peu dans l'envie d'en découdre, ben, au lieu d'aller te foncer tête baissée comme ça, non, non, mettez-vous bien les choses en place et faites ce plan, planifiez, d'accord? Donc c'est vraiment ça qui est super important. Alors, par rapport à à votre vie sentimentale, on voit aussi ici un truc qui nous dit retreat, ça veut dire prendre une retraite, ça veut dire que oui, bah, prenez du calme, prenez du recul, hein, parce que vous êtes dans, hein, vous êtes comme ça en janvier, voilà, donc prenez du recul, voilà, retirez-vous un petit peu, quelle que soit votre situation sentimentale, il faut que vous soyez un peu dans le calme, un peu dans le recul, voilà, vraiment janvier, super important comme ça. On y va maintenant. Février. Alors, la dominante énergétique de février. Alors, la dominante énergétique de février. Quelle est-elle? Oups, voilà, ça y est. Alors, l'ange de la balance. Alors, voilà, ça y est. Donc, janvier, vous avez un petit peu, hein, comme ça. Et là, vous allez commencer à poser les choses et être dans l'équilibre. Donc l'énergie va être beaucoup plus équilibrée. Vous allez vous poser comme ça. Voilà. Donc vous allez typiquement travailler tout ce qui concerne justement l'ancrage. Voilà. On sait, hein, là, vous dites, cette année, ça fuse. Ça, machin. Donc là, février, de l'ancrage et du rééquilibrage. De rééquilibrage de trop et de pas assez, de rêve, de concret, etc. Tout ça, ça va se rééquilibrer comme ça. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, d'un point de vue abondance, comment vous allez bah, préserver, multiplier l'abondance autour de vous pendant ce mois de février? Alors, allons-y. Voilà, ça y est. La carte s'est retournée. Et donc, on nous dit. Alors, on nous dit qu'il faut vous exercer pour justement être capable de démontrer vos capacités et vos énergies. Donc, ça veut dire que moi, pour moi, là, très clairement, ce qu'il faut que vous fassiez sur ce mois de février, puisque nous sommes dans un mois où vous allez être sous l'énergie de l'ange de la balance et donc de l'équilibre, je vous ai demandé de travailler les ancrages, donc vraiment travailler vos ancrages, et puis de la méditation. De la méditation active, si vous le souhaitez, si vous êtes un petit peu en besoin d'active, ou tout simplement de la relaxation. Allez chercher déjà des trucs de relaxation, voilà, des choses très très simples, vraiment de la relaxation. Et puis idéalement, si vous avez déjà fait tout ça, faites du Ho'oponopono. Je reviendrai dessus dans une des vidéos vraiment consacrées à ça, ou probablement dans un de mes lives, mais allez chercher le Ho'oponopono, ça s'écrit H-O apostrophe O-P-O, et puis après, vous verrez, si vous cherchez ça sur Internet, ça va apparaître. Et vous allez voir, ça vous aide. Ça va vous aider justement, puisque vous avez envie là de vous rebalancer, et bien donc ça va vous permettre de travailler là-dessus. D'accord? Donc soit donc déjà, travail d'ancrage. Si vous avez déjà bien travaillé vos ancrages, alors vous pouvez travailler l'ancrage avec des pierres. Hein. Typiquement, la tourmaline noire, c'est la pierre d'ancrage la plus importante. Donc, dormez déjà avec la tourmaline noire sous votre lit. Donc, sinon, ensuite, de la méditation ou de la relaxation. Et si tout ça, ça ne vous plaît pas, ou si vous avez déjà fait tout ça et que vous allez aller un cran plus loin, eh bien, allez voir le Ho'oponopono. En ce mois de février, ça va vous faire énormément de bien. Alors, sur votre relation sentimentale en février, alors, allons-y. Alors, sur votre relation sentimentale en février, alors, on nous dit quoi? On nous dit que en fait, ce sont des relations de vos vies antérieures qui vont remonter. Donc, comme vous avez justement, on a vu que vous allez être dans l'énergie de la balance, que vous allez rééquilibrer, que vous allez vous ancrer, que vous allez relaxer, que vous allez faire du Ho'oponopono. Donc, du coup, effectivement, vous allez être capable de vous réconcilier, en fait, avec même vos vies antérieures. Un mois de février pour vous, mes amis Capricorne, extrêmement important. Un travail à faire, hein, vraiment, en ce mois de février, hyper propice. Au mois de février, nous avons une nouvelle lune en Verseau le 11 février et une pleine lune en Vierge le 27 février. Donc, je pense que ce sont également deux jalons dans lesquels il va falloir travailler, il va falloir se préparer également pour ce mois de février. Alors, donc ça c'était pour le mois de février. Maintenant, le mois de mars.
les énergies du mois de mars. Allons-y. Alors, les énergies du mois de mars. Oups. Alors, quelle est l'énergie? Ça y est. Alors, ici, l'énergie, c'est l'énergie de l'indécision. Donc, en mois de février, on a vu, au mois de janvier, vous étiez dans l'hostilité, dans l'énergie, comme ça, un petit peu combative. Au mois de mars, on a vu quand vous étiez dans le rééquilibrage. Et il y avait également le message, allez-y, mettez-vous au boulot. Et du coup, bah, là, vous ne savez pas exactement, vous n'avez pas encore décidé. Donc, ce mois de mars est encore un mois de réflexion. D'un point de vue d'abondance, les anges de l'abondance, quel est le conseil qu'ils nous donnent pour vous, pour ce mois de mars, les amis Capricorne? Et c'est normal, hein, vous avez entamé un gros travail, donc là, vous cherchez encore, hein, vous savez pas exactement lequel des domaines va falloir travailler en priorité. Voilà. Et là, on nous dit, bon, en tout cas, si vous avez posé le plan, eh bien, des fonds, en tout cas des apports matériels vont vous être apportés. En fait, on va commencer à vous apporter de l'aide matérielle, que ce soit en financier ou tout simplement en matériel ou parce que quelqu'un va physiquement vous aider, etc. Donc, sur ce mois de mars, vous allez avoir un premier gros apport d'aide. On a vu que on avait ici l'énergie qui disait qu'il fallait économiser. Donc, ne le dilapidez pas ce truc-là, surtout si vous ne savez pas, vous êtes indécis, vous ne savez pas dans quoi vous allez investir. Donc, pour l'instant, stockez, trésorisez ce qui va vous venir, d'accord? Voilà. Alors, ensuite, ici, alors, voilà, pour niveau de la vie sentimentale. Eh bien, on voit de la passion et des sentiments romantiques vont arriver. Donc, si vous êtes, on va dire, si vous êtes dans un couple, ça veut dire, et s'il y avait des difficultés, ben, il va y avoir un petit regain d'affection. Et donc, du coup, ben, c'est ça aussi qui va vous mettre dans la décision parce que vous vouliez peut-être changer des choses radicalement. Et bien là, vous allez hésiter. Si vous étiez dans une relation un peu tiédasse, elle va alors que vous étiez prêt aussi la lâcher, elle va se raviver. Et si vous disiez, bon, bah, je risque pas de rencontrer qui que ce soit, oh, est-ce que ceci, cela, bah, peut-être que dans les rencontres, vous allez avoir peut-être plusieurs rencontres, et du coup, c'est ça qui va vous laisser dans l'indécision. Mais laissez-vous vivre, hein. Voilà, on a vu de toute façon que je vous avais dit que dans la partie abondance, ben, on vous apportait de l'aide. Et ben, peut-être qu'en amour, effectivement, là, tout à coup, il y a aussi un regain d'abondance. Ben, laissez-vous vivre. C'est pas grave, c'était une décision. Oui, c'est un peu inconfortable, mais c'est pas le moment de décider, de toute façon. Vous n'êtes pas dans le bon mois pour décider, d'accord? Voilà, alors, ça, c'était jusqu'au mois de mars. Là, on va faire une petite coupure par rapport au mois de mars et je vais vous proposer de faire 3 vœux. Alors, je vais vous proposer de faire 3 vœux. Donc, vous allez prendre un papier, un crayon, idéalement un petit carnet. L'idéal, c'est d'avoir un petit carnet. C'est pas un carnet, c'est pas un journal intime. Hein. C'est pas écrire, ah, gna gna, mon journal intime aujourd'hui, ma chienne, elle m'a fait piquer, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Un journal intime, vous y confiez, bah, peut-être pas tous les jours, des réflexions, des choses. Et voilà. Et là, moi, je vous encourage à avoir comme ça un carnet dans lequel vous allez écrire, visualiser ses vœux. Alors, donc, on va commencer par un premier vœu. Donc, voilà. Donc, je vous laisse le temps de prendre les papiers, le crayon, tout ça. Voilà. Vous pouvez faire stop sur la vidéo si vous le souhaitez et revenir quelques instants après. Voilà. Donc, si vous avez bien visualisé le premier vœu, d'accord, mes amis Capricorne, vous avez visualisé votre premier vœu, vous l'avez pris le temps de le noter. D'accord? Ok, on y va, on fait le tirage. Allons-y. Oups, alors. Bah, écoutez, la carte a vraiment volé directement tout de suite. Et donc, on nous dit que c'est un temps pour se guérir. Alors, ça veut dire que ce vœu nécessite que vous fassiez un gros travail de guérir des blessures. Allez chercher, allez voir. Quelles sont des blessures profondes que vous avez pu avoir qui demanderaient qui sous-tendent ce vœu, en fait. Et ce vœu ne pourra avancer, ne pourra se clarifier, ne pourra s'améliorer que lorsque vous aurez
en fait, réussi à trouver cette blessure et que vous aurez commencé à la guérir. D'accord? Donc, le vœu que vous venez de faire, ben, il ne va pas se réaliser tout de suite parce qu'il y a un gros travail à faire avant. On y va. Deuxième vœu, donc vous faites pareil. Vous vous concentrez très fort. Idéalement, vous le notez dans un cahier. Ok, voilà. D'ailleurs, vous pouvez noter ce que j'ai écrit en réponse aussi en dessous de chaque vœu. Voilà. Donc là, ça y est, c'est bon. Vous avez pris le temps. Vous avez fait un stop sur la vidéo. Enfin, bref. Ok, on y va. Donc, vœu numéro 2. Comment il va se réaliser? Ah, alors là, on nous dit que ce vœu-ci demande, nécessite de votre part de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire que ce vœu ne se réalisera que si vous vous challengez, que si vous voyez ce que je veux dire, c'est si vous faites quelque chose qui sort de ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut vous challenger, il faut sortir de votre zone de confort, il faut faire quelque chose qui vous fait que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui est plus difficile pour vous. Donc ce vœu ne se réalisera et que quand vous aurez réussi à faire ce travail-là. Ce travail de sortie de zone de confort. Donc là, vraiment, si vous avez bien noté ce vœu, donc vous l'avez noté, vous l'avez écrit, vous l'avez visualisé, et vous écrivez bien en dessous, sortir de ma zone de confort, d'accord? Et vous allez commencer à programmer dans votre cerveau la réflexion qui va faire que vous allez y aboutir, mais il faut que vous sentiez bien qu'il va falloir regarder ces choses d'un autre angle et les faire très différemment de ce que vous avez l'habitude. Ok? Allez, on y va. Troisième vœu pour cette année 2021. Vous le visualisez bien, vous le notez, vous faites un arrêt sur image, etc. Ok, ça y est, c'est fait. On y va, on fait le tirage pour ce troisième vœu, pour vous, mes amis Capricorne. Allons-y. Alors. Oups, ben voilà. Alors. Ah ben là, c'est pareil. Alors, vous voyez, mais de toute façon, on l'a vu, hein, vous êtes dans une année. Vous êtes dans une année où on met des choses à plat, où vous retravaillez beaucoup de choses, où vous visualisez vos envies. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aucun de ces trois vœux ne se réalise dans cette année 2021. Mais par contre, les racines de la réalisation de ce vœu sont dans cette année 2021. Et là, on nous dit, osez, faites quelque chose d'osé, de différent pour faire le premier pas vers la réalisation de ce vœu. Donc, c'est un peu comme le même message que tout à l'heure, c'est sortez de votre zone de confort. Et on avait le premier qui nous disait, ben, guérissez vos blessures les plus intimes, allez les découvrir, allez les comprendre et ça va avancer. Donc une année très très importante hein, pour vous mes amis Capricorne, mais totalement cohérente. Hein. On voit bien que c'est une année où vous devez construire ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà. Alors, donc on a fait janvier, février, mars. Donc là, on va faire à chaque fois avec trois cartes. Là, on va redescendre un petit peu et on va voir l'énergie des trois prochains mois, donc avril, mai, juin. Et on va voir pour chaque année, juste soit dans le domaine des relations, soit dans le domaine de l'abondance. Ok? On y va. Alors, bah oui, parce que c'est un trimestre suivant. Et comme vous avez déjà beaucoup travaillé, vous avez vu, hein, vous avez un travail dingue à faire hein, sur ce premier trimestre. Donc, selon ce que vous aurez avancé, bah, les choses seront avancées différemment pour chacun de vous. Je ferai des tirages, hein, je ferai des tirages trimestriels, je referai des tirages mensuels, signe par signe. N'oubliez pas surtout d'aller voir également vos signes ascendants, parce que c'est très important. On me demande souvent à partir de quel âge l'ascendant reprend. Non, non, l'ascendant, il est toujours là. Il est toujours là, votre ascendant. C'est un mix qui va se faire plus ou moins important dans chaque année. Alors, en avril, eh bien, vous étiez dans l'indécision en mois de mars tout à l'heure. Ben là, vous êtes toujours. Là, vous êtes encore plus indécis. Vous ne savez vraiment pas comment résoudre. Par où aller, quoi faire. Donc, du coup, on va voir ici ce que nous disent les anges d'abondance. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils sautent tout de suite. Alors, on nous dit que oui, bah, vous êtes indécis. Pourtant, on va vous proposer soit une augmentation, soit une promotion, soit une augmentation de vos responsabilités, soit un changement de poste. Voilà. On va peut-être également, dans votre vie sentimentale, aussi vous proposer des changements. Vous allez peut-être vous sentir un peu pieds et poings liés par rapport à ça, mais comme ici c'est les anges d'abondance qui nous disent ça, eh bien ces changements, accueillez-les.
Accueillez-la. Oui, bien sûr, vous allez au début être dans le choc et dans le déni, c'est normal, et après peut-être un peu dans la colère et la peur. On va voir quand ça va évoluer, mais ça veut dire que ici au mois d'avril, il va y avoir des changements qui vont arriver vers vous. OK? Et vous, vous êtes encore un peu coincé, et surtout vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Alors, bah, les cartes sautent vraiment. Donc avril-mai, en mai. Et bien, une fois de plus, donc on est dans le fait que ça y est, ben les portes s'ouvrent, il y a des possibilités adjacentes, des possibilités différentes qui arrivent. On voit aussi ici que l'énergie du soleil vient vers vous, et on a l'archange Métatron et le sixième chakra. Et donc le sixième chakra, eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Et donc ça y est, vous avez ouvert ça y est, vous vous ouvrez. Vous voyez, je vous avais demandé de décloisonner. Ben, ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous avez compris ce décloisonnement. Vous allez faire confiance à vos intuitions. Vous allez visualiser les choses et vous allez avancer. Donc beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, voilà, tout va bouger. Tout va bouger. Ça y est, et vous allez voir ces différents nouveaux angles. Vous allez commencer à voir ces sorties de zone de confort. Toutes ces choses-là qu'on a vues, eh bien, ça va. Donc, c'est là, sur ce mois. Donc là, dans ce mois d'avril, voilà, tout va se s'ouvrir. Tout va commencer à se décloisonner. Tout va commencer. Les possibilités vont être là partout. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour ce mois d'avril. OK. Maintenant, le mois de mai. Alors, les énergies pour le mois de mai. Voilà, encore une fois, deux énergies. Alors, on nous dit que on vous alerte ici sur ce mois de mai, sur le fait que donc vous allez commencer à apprécier, vous allez commencer à vous y faire, à ça. Et en même temps, vous avez vu, il y a eu plein de choses qui se sont passées en avril. Donc là, il y a des orages dans tous les sens, il y a des bouleversements qui arrivent. Donc sur ce mois de mai, en fait, c'est quoi? On vous a demandé de sortir de votre zone de confort. Vous vous projetez dans plein de choses. Eh bien, dites-vous bien que là, au mois de mai, tous ces changements, tous ces bouleversements qu'il y a eu sur le mois d'avril, eh bien, vous allez comprendre que ce sont des opportunités. Vous allez y trouver du sens positif. C'est ça, là, cette énergie-là de l'appréciation, c'est ce sens positif. Vous allez trouver du sens à tous ces changements qui vont vous arriver. Et donc, vous allez commencer à les prendre à bras le corps. D'accord? Vous allez commencer à les prendre à bras le corps. On va jeter quand même un œil ici sur l'ange de l'abondance, parce que je pense que vous avez besoin d'un petit conseil en plus pour être capable vraiment sur ce mois de mai de suivre de manière intensive ces changements, parce que ça va être des bouleversements, et il faut vraiment que vous compreniez que au premier abord ça peut paraître extrêmement difficile, extrêmement négatif, mais qu'en réalité ça ne va être que du positif pour vous. Vous allez en faire des opportunités. Alors, comment est-ce que vous allez en faire des opportunités? Alors, les anges se font un peu pris. Voilà, ça y est, la carte s'est retournée. Et donc, on nous dit, voilà, alors on nous dit que tout ça va se solder par le fait que vous allez avoir vraiment de gros bouleversements au niveau de votre emploi, de votre travail, de ce que vous faites ou de vos études aussi, très probablement. Donc, c'est à ce niveau-là, même dans votre idée de ce que vous devriez faire, il va y avoir des changements très importants. Donc, utilisez ces bouleversements comme des opportunités. Et ça va booster, ça va tout booster, ça va booster votre carrière. D'accord? Ça va vous booster. OK? Voilà. Alors, donc ça, c'était le mois de mai. On a vu que les choses ont beaucoup avancé, on a vu que vous avez beaucoup avancé. Et là, sur les 6 prochains mois, on est encore un petit peu loin, je dirais, pour vous donner des choses vraiment très précises. Donc, on a vu déjà ces gros bouleversements. Donc là, ce que je vais faire sur les 6 prochains mois, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je vais vous donner en fait les pistes de
de coups de pouce. C'est-à-dire que comme vous allez être là dans ces gros bouleversements et que je veux vraiment que vous compreniez que ce sont des opportunités, eh bien, je vais utiliser ici ces messages d'effet ici pour vous envoyer pour chaque mois un message coup de pouce, un message bâton magique. D'accord? Coup de baguette magique. Voilà. Alors, allons-y. Donc, pour le mois de juin. Et eh bien, voilà, ça saute. Alors, on nous dit. Pour le mois de juin, faites des recherches. C'est-à-dire que, ben oui, il va falloir monter en compétences. C'est ça. Si c'est un changement de boulot, si c'est un changement de carrière, si c'est carrément, je ne sais pas, vous faisiez un boulot, puis vous étiez salarié, et puis bon, ben, il va y avoir plein de licenciements, on le sait bien, c'est difficile. Donc, ben, au lieu de le prendre comme quelque chose de négatif, ben, prenez-le comme du positif et prenez-le comme une opportunité de changer de carrière. Et ben pour ça, peut-être qu'il va falloir faire des études, peut-être qu'il va falloir trouver un statut différent. À statut, je veux dire, professionnel, je sais pas, auto-entrepreneur, artisan, que sais-je. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de trucs. Donc, au mois de juin, prenez le temps de faire ces recherches, de rechercher la formation, de rechercher les aides, voilà, de faire des recherches par rapport à cette modification qui va se faire. D'accord? Au mois de juin, cette histoire de recherche. Ok. On y va maintenant sur le mois de juillet. Alors, allons-y pour le mois de juillet. Le coup de bâton magique pour juillet. Voilà, ça y est, la carte ici. Alors, vos enfants. Alors, les enfants, vos enfants, vos petits-enfants, des enfants qui sont dans votre entourage. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bon, première chose, on pourrait se dire, si vous avez un domaine à changer, professionnel, ben, ça sera plutôt dans le domaine d'un domaine autour des enfants. D'accord? Un métier autour des enfants, par exemple. Voilà. Après, ça peut être que les idées, les choses, les motivations, les opportunités vont venir de vos propres enfants. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Ou de vos petits-enfants. D'accord? Où vous allez trouver des idées, des opportunités en vous occupant d'eux, voilà, ou tout simplement, dans leur entourage, les choses vont arriver vers vous. Okay? Donc, cette notion d'enfant. Et si vous n'avez pas d'enfant, bah, il est très clairement qu'il faut aussi que pour aller rechercher les énergies de ce que vous souhaitez faire, eh bien, il faut aller voir dans votre propre enfance. D'accord? Ça se rattache aussi à vos rêves enfouis, à des rêves que vous aviez dans votre enfance. Allez les chercher. C'est peut-être le moment justement d'aller les réaliser. Ok? Ça, c'était juillet. Alors maintenant, août. Alors, août. Oups, voilà, bah, ça y est, août. Alors, on nous dit ici une grossesse. Donc, ça veut dire que ça y est, au mois d'août, vous allez mettre en route ce projet. Alors, c'est un projet qui ne va pas se réaliser de manière immédiate. Donc, une grossesse, ça prend 9 mois. Donc, ça veut dire que ce que vous allez mettre en termes de process au mois d'août, d'accord, sera réalisé 9 mois après. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, ça nous emmène jusqu'en avril 2022. Donc, ça veut dire que là, ce qui se passera au mois d'août, ce que vous mettrez en gestation, donnera ses fruits en avril 2022. Ok? Donc, très bonne chose à savoir. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Hein. Ok, ça, c'était le mois d'août. Maintenant, septembre. Oups, bah, septembre a voltigé encore plus. Alors, en septembre, on nous demande, il faut que vous exprimiez votre individualité, votre singularité, votre différence, qui vous êtes. Au mois de septembre, c'est qui vous êtes profondément. Qu'est-ce qui fait votre individu? Qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qui sera l'élément déclencheur de tout. Mettez-vous devant, à poil, montrez qui vous êtes, montrez les énergies que vous avez, la force que vous avez et votre singularité. Donc ça, c'était pour septembre. Maintenant, octobre. Allons-y, octobre. Alors, octobre. Oups, c'est octobre. Ne veut pas bondir pareil. Voilà, ça y est. Alors, en octobre, on nous dit, il faut vraiment que vous vous penchiez sur votre santé et ce, par le biais de votre alimentation. Voilà. Octobre, il faut vraiment, c'est le truc d'octobre, ce qui vous aidera à passer un bon mois d'octobre, ce sera de faire attention à votre alimentation. OK?
et faire peut-être des changements radicaux dans la façon dont vous avez de vous alimenter. Alors, novembre maintenant. Ouais, ça y est. Alors, on nous dit, bah, ça y est. Voilà, en novembre, adieu tout l'ancien, adieu ce qui n'allait pas. Chose très importante, du coup, comme c'est un mois justement de gros changements, donc on dit au revoir à tout ce qui est ancien, bienvenue à tout ce qui est nouveau. Donc, du travail à faire, à mon avis, très important en novembre. Une nouvelle lune le 4 novembre en scorpion, donc très très important de travailler cette nouvelle lune pour raccompagner cet au revoir en fait. Voilà, vraiment dans cette nouvelle lune, il faudra vraiment travailler à dire au revoir. Ok, pour vous, mes amis Capricorne, cette nouvelle lune-là du 4 novembre 2021 sera une nouvelle lune pour dire au revoir. Et puis, 15 jours plus tard, la pleine lune en taureau. Et taureau, c'est quoi? C'est de l'abondance, c'est du concret, les taureaux sont opulents, sont gourmands, voilà. Et bien donc, ce nouveau-là va arriver dans une pleine lune en taureau. Donc, cette pleine lune va être plein de cadeaux pour vous. Elle va être généreuse, d'accord? Donc, ici, en novembre, pour vous, mes amis Capricorne, voilà. Au revoir à l'ancien et bienvenue à la nouveauté, bienvenue à des choses abondantes et positives. Alors, et puis du coup, décembre 2021. Alors là, deux choses. On nous dit de la patience et les dettes seront remboursées. Bah oui, donc on a dit au revoir à l'ancien, on a dit bienvenue au nouveau. Et là, on nous dit en décembre, bah, attention, il faut d'abord vraiment solder tout ce qu'il y a à solder. Donc, pour définitivement dire au revoir à l'ancien, soldons ça. Donc là, pareil, et ça ne m'étonne pas parce qu'en plus, il y a vraiment une similitude. Voilà, donc là, on a également une nouvelle lune et une pleine lune. Alors, la pleine lune, bah, pareil, le 4. Donc, on avait le 4 novembre tout à l'heure et là, c'est le 4 décembre. Donc, ça va être l'occasion justement de régler toutes vos dettes. Et le 19 décembre, eh bien, il va falloir prendre un petit peu de patience. On a vu hein, que les choses que vous aviez mis en place en août, je crois, allaient se réaliser qu'en avril 2021. Bah, donc là, il va falloir prendre un petit peu de patience. Voilà, et attendre que tout ça se réalise. Voilà, mes amis Capricorne. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais des lives très souvent. Donc, venez me voir, je répondrai à vos questions de manière plus directe. Vous pouvez mettre des commentaires en bas des vidéos, je réponds également. À bientôt, au revoir, au revoir.